À la une, un nom, celui de Jean-Loup Dabadie, qu'il faut associer à cette liste magique de titres, de chansons et de films. Lettre à France, Un éléphant, ça trompe énormément, Ma préférence, César et Rosalie ou encore Les choses de la vie. Le parolier et scénariste disparaît à l'âge de 81 ans. Son ami Julien Clerc sera en direct avec nous. Bonsoir à tous. Il se souvenait de tout, des conversations avec les uns, des caprices des autres, des rires, des engueulades, des coups de blues de tous les artistes qu'il avait nourris avec ses mots. Combien de vies, d'anecdotes pour un seul homme. Jean-Loup Dabadie les a tous connus. Romy Schneider, Yves Montand, Claude Sauté, Guy Bedeau, Julien Clerc, Serge Reggiani, scénariste, parolier, ami et confident devenu académicien pour sa science du verbe au cinéma et en chanson. Il avait 81 ans et il s'est éteint aujourd'hui. Portrait signé Nathalie Ether. On ira tous au paradis. C'est la chanson qui a fait décoller sa carrière de parolier. 1972, Nous irons tous au paradis, écrite pour Michel Polnareff. Des mots tout simples, mais qu'on le retient pour toujours. Des mots pour chanter, pleurer, danser. Toute sa vie, Jean-Loup Dabadie en a écrit. C'est une forme moderne de la poésie. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ne lisent pas assez de poésie, mais c'est la poésie qui vient à eux par le truchement des chansons. Pourtant petit, c'est conducteur de poids lourd qu'il voulait être. Mais le destin en a décidé autrement. Entre la télévision, le cinéma, le théâtre et la chanson, Jean-Loup Dabadie va écrire 22 scénarii, 150 sketchs et plus de 250 refrains. J'en peux plus. Il la rend dingue, la poulette. Il m'a mordu l'oreille, il m'a fait mal ce con, il est con ce type. De sa collaboration avec Guy Bedeau, c'est cette désopilante scène de drague que l'on retiendra. Quant au cinéma, très tôt, il lui tend les bras. Il tourne avec les plus grands, Claude Sauté, Yves Robert, François Truffaut ou encore Jean Becker. Et à chaque fois, c'est le même succès. C'est moi, c'est l'Italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Dans les années 70, de la plume de Jean-Loup Dabadie vont naître quelques chefs-d'œuvre. C'était le grand soir. Chanté par les plus grands. Ils sont arrivés. Elle est ma chance à moi. Ma préférence à moi. En 1980, il écrit pour Julien Clerc « L'assassin assassiné », un an avant l'abolition de la peine de mort. Si j'ai ce soir, dans ma mémoire, un assassin assassiné. Il a écrit des choses très drôles et très tendres en même temps. Et ça, c'est plutôt assez rare. Si Jean-Loup Dabadie multiplie les prix et les récompenses, en 2008, c'est la consécration avec son entrée à l'Académie française. Depuis, ce formidable amoureux des gens et des mots se faisait plus rare. Aujourd'hui, Jean-Loup Dabadie n'est plus, mais ses chansons lui survivront. Qui ne veut plus être à moi ? Jean-Loup Dabadie, élégant, personnage si prolixe et subtil et brillant parolier, notamment de Julien Clerc. 1978, Ma préférence, 1982, Femme, je vous aime. On retrouve en direct avec nous Julien Clerc. Bonsoir, merci d'être avec nous Julien. Il était un de vos grands paroliers, mais il était aussi devenu au fil du temps un proche, un ami tout simplement. Ah oui, bien sûr. C'était un grand ami avec qui j'ai partagé beaucoup de moments de vie importants. Vous lui avez parlé il y a encore quelques jours, je crois. Oui, j'ai parlé il y a quelques jours. Heureusement, je l'ai appelé il y a 8-10 jours parce que, comme j'appelle tous les gens que j'aime pour savoir où ils se trouvent pendant cette période étrange et anxiogène. Et donc là, on a parlé longuement au téléphone, comme nous le faisions généralement, de la vie. Il est l'auteur de la chanson de votre répertoire la plus téléchargée aujourd'hui encore, la plus écoutée, Ma préférence, une chanson qui est née pendant des vacances, je crois. Oui, pendant des vacances au Pays Basque, dans une maison qu'il avait louée. Et donc là, il y avait un piano, heureusement, et je travaillais sur ce piano. Il a entendu ce début de mélodie qui naissait et m'a demandé, il m'a dit « je te supplie de me la garder pour moi, celle-là ». Il savait que quand j'écris des mélodies, après, je les dispatche à mes différents auteurs. Alors évidemment, je lui ai gardé cette mélodie et ça a donné ma préférence. Et ça a donné ma préférence. Et il y aura d'autres chansons, L'assassin assassiné. On pourra en parler des heures. Merci Julien Clerc d'être venu rendre hommage à votre ami Jean-Loup Dabadie ce soir. Et nous pensons ce soir, bien sûr, à Véronique, son épouse, et à ses enfants. Oui.